بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني أخواتي، mes frères et sœurs، أبنائي بناتي، mes fils et mes filles، أصدقائي صديقاتي، mes amis et mes amis، أعدائي عدواتي، mes ennemis et mes ennemis، musulmans et musulmanes. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Je vous aime en Allah. Et quel amour! Nous serons ombragés sous l'ombre d'Allah le jour où il n'y aura pas d'ombre autre que la sienne. Quelle bonne annonce! Mes frères et sœurs en humanité, ceux qui n'ont pas encore voulu ouvrir leur cœur à Allah, beaucoup d'affection. J'ai beaucoup d'affection pour vous. J'ai beaucoup appris de vous et avec vous. Et je demande à Dieu, à Allah, de vous accorder les délices infinies de la guidée islamique, l'islam, la paix de l'âme, se mérite. L'islam, la liberté par excellence, se mérite. L'islam, la rationalité ultime, la rationalité en mouvement, se mérite. À vous de vous déployer sincèrement. Un frère me dit, salamu alaykum, wa alaykum salam, wa rahmatullahi wa barakatuh, mon bien-aimé. J'aimerais vous poser quelques questions d'ordre religieux. La yahri. La religion ne répond pas à ce type de questions et tu as la réponse. Si question il y avait, tu as la réponse. Tu viens juste ouvrir ton cœur, penser à haute voix, partager un moment de ta vie avec quelqu'un que tu aimes en Allah. C'est ça l'idée. J'aimerais vous poser quelques questions d'ordre religieux. Supposons que tes parents t'aient forcé jusqu'à épouser une femme. Il a mis jusqu'à t'épouser une femme. Ok, jusqu'à épouser une femme. C'est-à-dire, ils l'ont forcé à épouser une femme. Très bien. Tu n'étais pas prêt et la femme n'était pas ton choix. Donc, il le dit, il n'était pas prêt pour ce mariage et sa femme n'était pas son choix. Après des années de mariage, entre parenthèses, période de consentement, vu que ce n'est pas ton choix, ta femme et toi ne partagez pas les mêmes points de vue. Vous ne voyez pas le monde sous les mêmes yeux. Je te rappelle que quand tu veux te marier, tu ne cherches pas à te marier, tu ne cherches pas à te marier avec toi-même. Tu ne cherches pas à te marier avec quelqu'un qui te ressemble. D'accord? Il faut un socle, il faut un minimum de valeur. Il faut un carburant, et après, on peut être très différent, mais très complémentaire. Imagine si je me marie avec une femme qui me ressemble, physiquement, c'est la fin du monde. Mais si elle me ressemble aussi dans ma manière de voir les choses, aïe aïe aïe. Maintenant, s'il y a une base, une foi commune, une base puissante commune, un socle, là, il y a des choses à faire ensemble, même si on est différent. Et on ne peut être que différent. Ta femme et toi ne partagez pas les mêmes points de vue, vous ne voyez pas le monde sous les mêmes yeux. Ok, pourquoi pas. De ce fait, tu rencontres une femme qui a les mêmes visions que toi. Et vous vous mariez. Cette histoire, au tout début, avant le mariage, on voit le monde de la même manière. On a beaucoup de choses en commun. Il faut s'en méfier. Souvent, ça réserve de très grandes surprises, souvent désagréables. Passons. Donc, seconde épouse, entre parenthèses, pour moi, seconde erreur, car il aurait mieux fallu divorcer et se marier. Tu as vécu ton destin, mon frère. Ne regrette jamais des choses que tu as faites, surtout le halal, quand c'est halal. Sois toujours courageux, fonce dans le halal, et sois toujours lâche dans le haram.
Il y a des gens très courageux dans le haram, l'illicite, la débauche, les choses mauvaises. Ils sont très brillants, très courageux, très fonceurs. Mais quand il s'agit de halal, ils sont lâches. Ils sont hésitants. Donc tu as vécu ton destin, donc tu t'es marié avec une deuxième femme. Avec le temps, tu te rends compte que malgré tous tes efforts, tu n'arrives pas à être équitable entre les deux. Très bien. Conscient de cette impuissance et la souffrance que tu fais endurer à la première, entre parenthèses, car ce sont des péchés que tu accumules et dont tu devras rendre compte le jour du jugement dernier, tu abordes le sujet ainsi avec la première et l'unique solution que toi tu as trouvée est la séparation, car tu crains le jugement. Mais la première femme, malgré cette souffrance, est consciente des péchés que tu es en train d'accumuler, refuse le divorce. Que faire? À partir du moment où tu essayes d'être équitable, tu essayes d'être équitable, tu fais ton maximum pour être équitable. Méfie-toi des débuts d'une relation avec une deuxième. C'est pas ça. Il faut toujours voir quand tu as fait le tour, elle a fait le tour. C'est là où les choses sérieuses commencent. Maintenant, ta première épouse, pourquoi elle ne veut pas te divorcer? Parce qu'elle tient à toi. Parce qu'elle t'aime peut-être. Parce qu'elle ne voit pas le monde sans toi, même si vous avez des vues différentes, des manières de voir les choses différentes. Tu me demandes mon conseil. Trouver quelqu'un qui t'aime dans cette vie est quelque chose, c'est une mission impossible. Rares sont ceux qui vont t'aimer. Les gens qui vont te dire je t'aime, tu peux trouver. Mais les gens qui vont vraiment t'aimer et qui vont comprendre ce que c'est qu'aimer, aimer sous Allah, aimer sous Allah, aimer en Allah, aimer pour Allah, aimer avec Allah. Ça c'est autre chose. Tout le monde chante l'amour, tout le monde parle d'amour. Lui, il n'a pas parlé d'amour. C'est peut-être moi qui tergiverse. Je fais une dissertation. Mais cette jeune femme qui subit l'injustice avec toi, qui te voit injuste et qui tient à toi, il y a peut-être l'amour. Il y a peut-être la volonté de continuer à vivre avec toi. Moi, à ta place, je la mets sur ma tête. C'est la métaphore. Donc, c'est une bonne femme, cette femme. Ah, Mustapha, qu'est-ce que tu racontes? Ah, il y a des femmes qui sont en train de devenir hystériques. Il y a des non-musulmans qui disent, oh, la polygamie. Moi, j'ai rien dit. Moi, je lis. Qu'est-ce que la polygamie aujourd'hui? Qu'est-ce que le mariage aujourd'hui? Vous savez, tout le monde est polygame. Multi-multi-polygame. Chez les musulmans et chez les non-musulmans. D'accord? C'est vrai qu'il aurait pu divorcer facilement et rapidement. Il aurait pu multiplier les conquêtes. C'est quand même un homme particulier. Tu es un homme particulier. Cette femme, mon frère, je te demande Allah Hijazik, et je te suggère Allah Hijazik, de combattre ce shaitan, et de te combattre toi-même, et de combattre chez vous cette histoire qui dit, on ne voit pas le monde de la même manière. Essayez tous les deux d'aimer Allah, de craindre Allah, essayez de vous dire, la mort rôde, à n'importe quel moment, on va mourir, aimons-nous pour Allah, faisons avancer le chemin biblique pour Allah, craignons Allah dans notre relation. Tu peux choisir de divorcer avec elle. Rien ne te l'interdit, rien ne t'empêche. Même si elle ne veut pas divorcer, tu sais que tu peux divorcer. Tu peux prendre cette direction-là. Il faut juste tout faire pour être le plus juste possible. Et tu peux la garder, mais en revoyant votre manière de faire et votre manière de vivre. Et à chaque fois, tu essaieras et elle essaiera
d'être le plus juste possible. Mais une femme qui tient à moi à ce point, tu me demandes à moi, parce que tu t'es dit, supposons que toi, si ça m'arrive à moi, moi j'ai passé ma vie à chercher quelqu'un qui m'aime. Attention, ton propre enfant veut te dire je t'aime, mais finalement, il n'a rien à voir avec l'amour. Ta propre mère te dit je t'aime, et finalement tu te rends compte que c'est pas ça l'amour. L'amour sous la bannière d'Allah est un amour autre. Moi, j'ai passé ma vie à chercher des hommes qui m'aiment en Allah et des femmes qui m'aiment en Allah. L'amour le plus élevé, le niveau le plus élevé de l'amour. Ne voyez pas le mal dans ce que je raconte, s'il vous plaît, parce qu'il y a des gens qui voient le mal partout. Je n'ai plus rien à dire, je n'ai plus rien à rajouter. Si tu veux que je vous appelle, toi et ton épouse, je le ferai avec plaisir. Si tu veux que je me déplace vous voir, si vous habitez en Île-de-France, je viendrai avec bonheur et plaisir. Si vous n'habitez pas en Île-de-France, je viendrai aussi avec bonheur et plaisir, si je peux permettre à ce couple de continuer à vivre. Le divorce, il est halal, il est licite en islam, mais il faut tout faire pour l'éviter. Et surtout, il ne faut pas être injuste. Là, il y a des gens qui sont en train de se dire, mais c'est bon, tu as dit que tu n'as plus rien à dire. C'est bon, libère-nous de ta sale tronche. Wallahi, je vous aime, mon Allah, subhanahu wa ta'ala. Wallahi, je tiens à vous. Et j'aime bien voir des musulmans revenir à eux-mêmes. Revenir à eux-mêmes, à leur belle fitra islamique. Je reste à ton entière disposition. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.